Paris qui passe, c'est le Paris qu'on casse, que l'on détruit sous nos yeux sans que nous en prenions conscience. Car nous sommes devenus des gens pressés, des gens distraits. Les flâneurs, les badauds qui prenaient le temps de regarder, ça n'existe plus. Dans quelques années, pour se souvenir, il faudra feuilleter des albums de photos. Grâce à des hommes comme Robert Doisneau, sont heureusement fixées des images que notre seule mémoire ne parviendrait pas à garder intactes. Écoutez, voir la rue de Paris, c'est attendre quelquefois 2 heures à la même place. 2 heures. Et dans le fond, la vision n'est pas très rapide. On ne piche pas, comme on dit, la rue tout de suite. Il faut vraiment beaucoup de temps pour voir une rue. Et petit à petit, les choses deviennent évidentes. Et ce qu'on ramène par la photographie n'est pas du tout objectif, c'est très subjectif. Au début de ce siècle, Paris était encore une ville provinciale. Si les vieilles rues étaient étroites, les revers des maisons ouvraient leurs fenêtres sur des cours intérieures, claires et calmes, que la spéculation a effacées sous le fallacieux prétexte d'élargir les rues. Paulette et Henri de Prest, imprimeurs lithographes, ont connu ce Paris-là et le font revivre sans attendrissement inutile. Ah, moi, je suis d'un très beau quartier du Parc Montsouris. Un quartier qui était déjà très coté au point de vue peintre, peinture, il y a eu Fujita, enfin tous les, je ne vais pas les nommer tous, il y en a moins une douzaine. Et je suis donc natif et j'ai vécu sur une âge de 20-25 ans. Et ensuite, je me suis expatrié. C'est-à-dire ? Ben, je suis monté à Barbès. Ah bon. Il s'est expatrié parce qu'il est monté dans le 18e. Mais le 18e, c'est un métier, c'est un quartier de peintre aussi. Hein, il y a eu Picasso, il y a eu même des grands écrivains et tout, il n'a rien à trouver drôle au 14e. Mais en réalité, nous sommes dans le 10e ici. Et c'est une fin de belle ville par le fait. Et quand je suis arrivée ici, je me suis trouvée un peu dépaysée, moi descendant de la butte. J'ai trouvé une grande cour avec des vieilles locataires qui regardaient derrière leurs carreaux quel était l'intrus qui venait dans le pays, c'est le cas de leur dire. Parce que leur cour, c'est leur domaine. Elles y vivent, elles y sont. Les enfants sont partis pour aller dans des maisons plus confortables. Évidemment, ici, comme confort, il n'y en a pas. Alors, les enfants sont partis, mais les vieilles sont restées avec un état d'esprit tout à fait de village. Parce que pour moi, les vieux quartiers de Paris, même tous les quartiers de Paris, c'était des villages. J'ai connu le square Saint-Pierre où il n'y avait pas encore ces grands escaliers, où c'était encore des palissades où on pouvait se glisser. Et bien là, il y avait des coquelicots qui poussaient avec des herbes assez rares. Mais enfin, pour nous, c'était la campagne. Et moi, c'était les fortifications, du fait qu'il n'y avait pas construit. Et ça, c'était, on pouvait pas tellement aller se promener sur les pelouses. L'herbe, c'était pas pour nous, c'était pour les merles. Et à côté, où il y a maintenant le site universitaire, il y avait les fortifications avec des nids d'abeilles dedans. Paris a toujours été une capitale culturelle et artistique mondialement appréciée. Les touristes y viennent nombreux et le développement du tourisme international permet, dit-on, au peuple de se mieux connaître.
à condition de savoir rester soi-même. Mais la place du Tertre n'est plus elle-même. Ni Toulouse-Lautrec, ni Bruant, ni Francis Carco, ni Utrillo, ni tant d'autres ne reconnaîtraient la butte Montmartre. Fauvisme et cubisme étaient-ils l'expression prophétique de cette curieuse superposition de couleurs et de formes qui plonge Paris dans sa grisaille actuelle. La luminosité, c'est clair et c'est net, hein. C'est bien. Ma peinture Picasso, je ne la comprends pas, mais la vôtre, je la comprends, monsieur. Je comprends votre peinture, c'est joli, hein. C'est de la gueule. Vous êtes clair, hein. Pas beaucoup de peinture. Le bien-être matériel est devenu un bien nécessaire, mais est-ce un bien suffisant? Donc on vivait avec moins de confort peut-être que maintenant, mais on vivait mieux alors, on était plus heureux. Mieux, c'est-à-dire qu'on ne le connaissait pas ce confort, on n'en souffrait pas. Oui, il y a de ça. Et puis il y a une chose, c'est que les désirs étaient moins importants que maintenant. On était heureux avec beaucoup moins de choses. On était heureux de se revoir entre copains, des fois au petit café. Mais bien souvent, dans les cours, dans les escaliers, on savait ce que l'un faisait, ce que l'autre pensait, toute la petite famille, comme vient de me dire Paulette. C'était des choses qui étaient plus humaines. On était plus humains à ce moment-là que je crois qu'on l'est maintenant. On n'avait pas de problème d'énergie, sinon d'énergie personnelle. Oui, exactement. À dépenser. Son énergie, on l'avait, parce que oui. Moi, je me rappelle être descendue travailler à pied. De Montmartre, je travaillais à l'opéra, je descendais facilement le matin à pied, puis c'était un régal. Parce que d'abord, il n'y avait pas toutes les voitures, les embouteillages et tout, on pouvait descendre. C'était une partie de plaisir. Moi, j'estime que c'est ce que je me dis toujours aux jeunes, je dis, oh, vous vivez dans un petit cube, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre petite cage, vous prenez l'ascenseur, c'est une autre cage, vous vous remettez dans votre voiture, c'est encore une autre cage, il n'y a aucun contact. Je dis, dans le temps, on prenait le métro, on avait des attouchements qui n'étaient pas toujours agréables, mais enfin, il y avait vraiment des contacts. Ici. Au 212 de la rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement. Je crois que c'est une des anciennes cours de Napoléon III, l'ancien bâtiment et les anciennes écuries. Ici même. Ici même, oui. C'est très rare de voir un homme de votre âge être encore artisan. Je pense quand même qu'il y en a encore quelques-uns. On m'a dit que dans le quartier, beaucoup de jeunes partaient. Oui, c'est vrai, c'est exact. On est obligé d'abandonner, plus ou moins, des gens qui n'aiment plus l'artisanat. Vous êtes ici, vous, depuis, enfin, votre famille, depuis plusieurs générations. Oui, depuis plusieurs générations. Oui, on était au 212 rue Saint-Maur, nous sommes depuis 17 ou 18 ans, je crois. Et avant, nous étions passage Pivert, enfin, à 500-600 mètres d'ici. Oui, c'est la le même quartier. La grand-mère, le papa, le grand-père, toute la famille a continué. Oui, je pense. Ça, je les garde, je vous les donnerai par la suite. Oui. Entendu. Il reste encore des chaînes, Nina, à remettre.
regardez les photos que vous avez faites au cours des dernières années, est-ce que vous trouvez que ça change très vite? Formidablement. Formidablement. Ces photos, c'est comme un monde tout à fait ancien, mais c'était incroyable. Il n'y avait pas de voiture dans les rues. Maintenant, il y a un chapelet d'automobiles qui se touche. Un jour, il y aura une soudure totale et on sera forcé de les découper au chalumeau. Mais les gens allaient au milieu. Quand on faisait une photo, les gens étaient au milieu de la rue. Ah oui, ça c'est prouvé, enfin, sur les images. Maintenant, c'est plus possible. C'est un autre aspect de la ville. Dans le quartier de la République, un porche débouche lui aussi sur une cour intérieure. Avant la Révolution, cette cour se trouvait dans l'enceinte d'un couvent de Jacobins que Napoléon Ier transforma en caserne, la caserne Crussol, dont le cirque d'hiver était le manège. Monsieur Garot, artisan sculpteur, y a toujours son atelier. Mais mon père était venu ici, au 7 rue Oberkampf. J'ai retrouvé ses papiers en 1885. Il y a beaucoup de brassages de population dans ce coin. Oh, une quantité énorme de population de brassages. Au fur et à mesure des années, les migrants qui sont venus, que ce soit des Français ou des étrangers, ça a été des couches séparées. Par exemple, mon grand-père, c'était le Loiret qui est venu. Il n'y avait plus de travail, il était marinier. Et il était apprécieur de Long. Et il est venu ici à Paris parce que mon père venait d'avoir son certificat de primaire. Et naturellement pour apprendre un métier. Et au fur et à mesure, sûrement d'autres couches sont venues. Mais les différentes couches sociales qui sont venues ici sont le reflet d'une migration pour venir sur Paris et monter et franchir les échelons. Ici, la caserne Crussol était le premier échelon. Voilà peut-être pourquoi les rues changent. Parce qu'il y a moins de mélange. On a l'impression que tout est tendu vers un classement rigoureux des gens. Les gens ne sont plus mélangés. Et le mélange, c'est très vivant. Quand il vous vient une idée, une inspiration, c'est parce que vous recevez différentes sollicitations de toutes parts. La rue était drôle parce qu'elle était très mélangée. Maintenant, non. On n'est plus mélangé, on est classé. Mon atelier est au plus beau point de Paris. Et je demeure au plus haut point de Paris, à Belleville. Je demeure après la rue Axo, c'est-à-dire au point à quelques dizaines de mètres, le point le plus haut de Paris. Ici, nous sommes à la hauteur, à peu près, des anciens fossés de la Bastille. Et là, d'ailleurs, la rue Amelot était le fossé dans lequel venait l'eau de la Seine jusqu'à Paris. D'ailleurs, à la place de la République, quand ils ont fait les travaux du métro, ça doit être en 30 ou 31 ou 29, pour aller à la Porte Dorée, qui avait l'exposition coloniale, et ils ont trouvé des squelettes de vaches. C'était le marais. C'est Henri IV qui fit construire la place des Vosges, centre du quartier à la mode au XVIIe siècle. Mais même en matière d'urbanisme, les modes ne durent pas. Paris n'a jamais cessé de se transformer. Cependant, quand au XVIIIe siècle, on offrit à Louis XV de lui consacrer une place, il écarta tous les projets qui proposaient de démolir des maisons déjà existantes et choisit un emplacement non construit au bout du jardin des Tuileries, l'actuelle place de la Concorde. On ne fait plus tant de manières au XXe siècle. Le baron Haussmann a donné l'exemple au XIXe. On achève son œuvre. Ah, bah Belleville, c'est tout à fait différent. Belleville est en train de changer. Changer complètement, complètement de ce qu'il a été et de ce qu'il est. Moi, j'ai connu Belleville. Ma grand-mère demeurait au 126 rue de Belleville. J'avais un frère de lait, tous les deux, on faisait les chats de gouttière à courir sous les tuiles. Et quand je vois encore maintenant, il y a un poissonnier en bas. Quand je vois ça, quand je passe devant, dans la rue de Belleville. D'ailleurs, il y avait une chose qui nous choquait, qui nous plaisait, qui nous empêchait de dormir. Il y avait le funiculaire qui montait. Et les rails étaient déplacés juste devant chez la grand-mère. On entendait pam-pam, 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 les roues qui martelaient la chose. Et il s'arrêtait à l'église de Belleville. Ce qui nous plaisait, nous autres, quand on était gamins, c'est qu'on montait au cul de ce pas. On ne le payait jamais. On voyait le gars, il se faisait sonner les tickets. Ou alors, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de tickets. Le receveur était entre la plateforme
qui chahutait, il fallait être à moitié acrobate pour tenir dessus. Et à chaque fois qu'il montait une personne, il faisait sonner. Il comptait, puis sa recette était comptée par ce compteur qui enregistrait. Alors il y avait en bas de chez la grand-mère, il y avait un friteux. Il fallait voir Belleville comme c'était. Il y avait un friteux, c'était un calabrais. C'était un calabre. Et il venait manger des maçons italiens, encore des migrants, qui étaient venus déjà, qui fréquentaient Belleville sur des tables en marbre. Ils vendaient de la morue frite et puis des merlans. Ça donnait, c'était épouvantable. Il fallait voir l'huile noire. Et alors, ma mère me disait tout le temps un truc très amusant. Faut pas manger de ça parce que c'est fait avec de la graisse de mort. Elle parlait à chaque fois avec ça. Parce que c'était du cheval, c'était de la graisse de cheval, la friture à cette époque-là. Comment pourrais-je dire ça? Comment pourrais-je dire ça? Oui, dans le fond, pour moi, la rue qui m'amusait bien, c'est la rue où on voyait un retraité avec son petit chien blanc, un arabe qui vendait des tapis, un gosse qui traversait avec un pain. Enfin, là, il y avait une vie extérieure qui était bon enfant et les gens n'avaient pas honte d'être dans la rue. Ce qui change maintenant, on a l'impression que les gens ne veulent plus ne paraître que ce qu'ils sont. Vous savez, dans les restaurants d'employés, on chuchote. Dans les restaurants ouvriers, on parle très fort. Eh bien, j'ai l'impression que la rue chuchote maintenant. Et puis, il y avait une chose que logeait Buissy encore il y a à peu près une vingtaine d'années. Les marchands de fauteuils ambulants. Ils faisaient c'était des Roms, généralement, des Romanichels, qui vendaient des fauteuils ambulants. Et qui avait une chanson, « C'est moi le marchand de fauteuils d'enfants, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les vends. C'est ma femme qui boulotte la galette, je vends des fauteuils rembourrés, c'est pour ma femme boire des mystiers. » Et puis il annonçait qu'il les vendait 3 francs ou 100 sous. Maintenant, je vous parle de ça, il y a une vingtaine d'années, mais quand j'étais gamin, c'était très courant, il y avait toute une foule. Expulsé de votre maison de Belleville. Ah oui, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit cottage, c'est gentil comme tout. C'est superbe. Est-ce que si on vous proposait de vous reloger à la place dans un des appartements d'un immeuble, bon, vous êtes gentil, mais faut pas rire. Les claviers à lapin, ça me plaît pas beaucoup. Quand on touche, je suis pas tout de même un type d'une grandeur énorme. Je touche le plafond, je fais 2 mètres et je touche le plafond. Puis alors, faut voir le manque de luminosité et puis être tassé comme ça, c'est désastreux. On sait même plus vivre. Je me demande comment que les gens, on leur vend ça des sommes. Et Dieu sait, étant expulsé, j'en ai visité. Ah non, pour un empire, je ne voudrais pas. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Faut ouvrir la fenêtre pour mettre son paletot Écoutez, je ressens, je ne veux pas avoir d'opinion, savoir si c'est beau, c'est vilain. C'est gigantesque, c'est colossal. Alors comme devant un géant, on n'a pas le droit d'avoir d'opinion, sans ça il vous écrabouille. Je n'ose pas dire ce que j'en pense, enfin je ne sais pas bien encore. C'est peut-être très joli, ce sont des prouesses techniques. Ça a sa valeur, mais je m'y sens pas très très à l'aise. Le 13e arrondissement est un des grands champs d'expérience de l'architecture moderne à Paris. Mais là non plus, les tours n'ont pas poussé sur des terrains vagues. Monsieur, nous sommes ici sur un terrain qui a beaucoup changé. C'était quoi avant? C'était la maison Panhard. La maison, c'était plus qu'une maison. Ah oui, c'était l'usine. On appelait, dans le temps, on l'appelait la maison Panhard. Vous avez travaillé à l'usine Panhard? Pendant 50 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? C'était comme tourneur professionnel.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu démolir les vieilles maisons et monter ces tours? Oui, je dis, c'est malheureux quand même, un oiseau de fiche le camp dans une maison neuve et avec l'argent qu'on va payer. Ça, c'est fatal. Vous avez eu la même impression, madame? Oui. Je ne croyais pas ça possible. Pourquoi? Parce que j'avais toujours entendu dire que le 13e était creux et qu'on ne pouvait rien y construire. Vous êtes mieux logé que vous n'étiez? Oh oui, sûrement. Oui. Oui, j'avais deux pièces et une cuisine. Il y avait l'eau, le gaz et l'électricité, mais pas de chauffe-eau, pas de chauffage central. J'allais chercher le charbon, moi, à 4 étages à descendre et 4 à monter. Oui, mais est-ce que vous connaissez les gens qui sont dans l'immeuble? Ah non. Il y a des gens que l'on connaît, oui, dans le HLM, mais on ne parle pas beaucoup ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes langues. L'église était le monument le plus haut, l'église qui est là? Ah oui, le monument le plus haut, oui, ici. Oui. C'est la fille de M. Panhard qui était marraine. De quoi? Des cloches. La gloire de Dieu n'est plus au plus haut des cieux et les hommes de bonne volonté ne savent plus très bien où trouver la paix. C'est rigolo, cette idée de géométrie, des cubes. Je crois que les gens ont autant besoin d'ombre que de lumière, autant besoin de recoins qui ne leur sont plus offerts maintenant. Alors, c'est s'il y avait dans ces ateliers, si vous voulez, pour des quartiers Montparnasse, ces ateliers étaient pleins de recoins. La verrière fuyait un petit peu, évidemment, le confort s'améliore, mais la recherche du confort, ça ne mène pas obligatoirement au bonheur. Change de plus en plus vite, non seulement parce que l'on construit, ce qui est normal, mais surtout parce qu'on démolit ce qu'on devrait préserver de l'usure du temps. Cette cour des miracles, par exemple. Les goûts, les besoins, les aspirations des nouvelles générations ne sont plus les mêmes, dit-on. Ce qui est certain, c'est que la sacro-sainte automobile autorise tous les vandalismes. Quand on rentre chez les commerçants ou n'importe où, on vous demande toujours si vous habitez à la Cour des Miracles. C'est un endroit où il y a surtout pas mal d'artistes. Alors je pense que c'est un peu... Qui a vécu ici? Il y a eu Gauguin, Douanier Rousseau. On a commencé d'ailleurs à peindre ici, je crois. Vous pensez rester combien de temps encore ici? On ne sait pas, juste 2-3 ans peut-être. Tout au plus, je pense. Il y a déjà eu des personnes qui ont été relogées? Oui. Il y a eu une première fournée l'année dernière. Et ils sont partis dans des ateliers qui ont été faits dans un 9e étage, entre le 9e et le 10e. On a démoli des plafonds, mais on a gardé les fenêtres de l'immeuble, ce qui fait que la lumière n'est pas la vraie lumière d'atelier. Ils ont eu beaucoup de mal, ils ont été très déprimés pendant plusieurs mois. Ils revenaient tous les jours ici. Les enfants, en revenant, s'accrochaient aux poutres et ne voulaient plus partir. Ils étaient nés ici, les enfants? Oui. Et ils nous disaient, je suis née là, je ne veux pas repartir, je suis là, chez moi. Et on ne pouvait pas les arracher. Comment acceptez-vous l'idée de partir d'ici? Assez difficilement, parce qu'on aura vraiment beaucoup de mal de retrouver cette ambiance. Et pour travailler, on a tout de même besoin d'une certaine ambiance, d'une certaine atmosphère. Montparnasse a été très sacrifié. Oui, je crois que c'est un des quartiers qui a été le plus sacrifié.
J'ai l'impression qu'en ce moment, les artistes, on les expédie un petit peu en banlieue. On n'a plus tellement besoin d'artistes. Par quoi va-t-on remplacer cette grande maison et cette grande famille? Par une route. On va faire la radiale vers Saint-Victorix qui rejoindra, paraît-il, la rue du Château et qui coupera la maison en deux. L'idéal, cette perfection que l'esprit imagine sans pouvoir y atteindre complètement, chacun le cherche plus ou moins intensément. Mais dans ses projets les plus ambitieux, il y a toujours au fond de l'homme un petit coin de jardin qui sommeille, un petit coin à sa mesure. L'échelle humaine. Une chose qu'on peut... que l'on peut... embrasser, soit comme ça, oui. C'est une chose qu'on possède, parce que on pouvait dire mon escalier, ma porte, on ne peut pas dire mon ascenseur du 29e étage, je crois que ça, c'est inhumain. Eh bien, la tour est classée en deux adresses différentes, le 14 rue Archereau et le 16 rue Archereau, qui sont eux-mêmes décomposés en 14 A rue Archereau, les adresses postales. Le 14A rue Archereau part de l'entresol jusqu'au 9e niveau inclus. Ensuite, le 14B reprend du 10e niveau au 18e niveau. C'est-à-dire, pour un ensemble, une adresse postale décomposée par lettres, A et B, pour un total de 114 logements. Ensuite, la deuxième batterie, le 16 rue Archereau, décomposée également en deux adresses différentes, 16A et 16B, du 19e niveau au 28e niveau pour le 16A et du 29e niveau au 37e pour le 16B. Également 114 appartements, c'est-à-dire 228 appartements au total pour tous les niveaux. Ce sont pour les troglodytes du monde moderne que ces ouvriers casqués terminent un instrument sans âme, des orgues de ciment armé. On ne sait pas encore à quels amours, à quels délices ces orgues s'associeront. Beaucoup de nouveaux venus habitent déjà certaines tours, ils y ont un certain niveau de vie. Sur la rue de Flandre, M. Delisle et sa mère s'habituent à leur nouveau magasin, reconstruit une vingtaine de mètres en retrait de l'ancien, qui appartenait à leur famille depuis une centaine d'années. Eh bien, depuis 1867, la création de notre affaire, et puis même la fondation enfin de l'immeuble, même là, hein, l'immeuble a été créé à cette époque-là, maman. L'immeuble a été fondé à cette époque-là, bâti, enfin. Oui, bâti, c'est ça, oui, l'immeuble est bâti à cette époque-là. En 1867. Qui était le fondateur? Eh bien, c'était Gelé. En photo, là? Que j'ai en photo ici, oui. C'est lui qui a fondé le magasin. C'est lui qui a fondé le magasin, mais il n'avait pas du tout la vocation commerciale. Et c'est plutôt sa femme qui a vraiment fondé le magasin. C'était une excellente commerçante. Et ah bon, qui... oui. Et c'était elle qui a. C'était une femme qui était très, très en avance sur son temps. Oui, c'est ça, qui était une femme très décidée et qui a vraiment pris en main l'affaire et qui l'a fait prospérer. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a laissé le magasin à son frère, M. Delisle, alors là. Et son frère, c'était qui? Eh bien, c'était mon grand-père, que j'ai là sur la photo, justement. Enfin, elle n'est pas datée, mais enfin, je la situe à peu près en 1900, puisque mon père est là aussi à côté de lui. Il est assis là, il a une dizaine d'années à peu près. Alors, comme il est de 90, je crois, papa. Il est 90. Oui, 90, donc la photo doit être à peu près de 1900. Le monsieur qui est à droite, c'est qui? Ah, bah là, c'est le vendeur, alors. C'est le vendeur qui était là, oui. Et les dames qui sont aux fenêtres? Et puis alors là, c'est les grands-mères, alors, qui sont là-haut. Il y a la grand-mère et l'arrière-grand-mère, c'est ça? Oui.
Il faut beaucoup de cœur et de respect pour toucher à la structure d'une ville, pour ne pas défigurer son vieux visage en lui insufflant une jeune vie toujours renouvelée, toujours plus envahissante. Robert Doisneau ne se lasse pas de photographier les derniers îlots, les derniers témoins d'un Paris qui disparaît. Paris, hier, appartenait à un monde différent du nôtre dont elle était la reine. Paris, aujourd'hui, est une autre ville habitée par d'autres habitants. Qu'est-ce que le quartier représentait à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans le quartier? Il y avait beaucoup d'ouvriers, évidemment, c'était un quartier ouvrier. Oui, puis il y avait les artisans, il y avait beaucoup d'artisans, il y avait la Villette, évidemment, qui à ce moment-là était importante aussi. Alors, procurait beaucoup de clients au magasin, forcément, parce qu'on avait même une spécialité de... Oui, la boucherie. De vêtements pour boucher. Oui, c'était marqué. Les petites choses bleues et blanches, vous savez, les carreaux bleus et blancs, là. Le velours aussi. Les bourgerons, de boucher, les velours, oui, les velours d'Amiens, les pantalons demi-hussards, les pantalons... Les pantalons de terrassiers, les pantalons d'ouvriers. On habillait les gaziers, là, qui étaient sur le terrain de l'usine à gaz, là-bas. Tous les gaziers aussi. Oui. On pendait tout, le matin, il fallait tout pendre dehors, toutes les blouses, tous les prix étaient affichés, c'était vraiment l'étalage, vraiment, tout à fait. On m'a dit qu'il y avait des chevaux aussi dans le quartier. Il y avait un vendeur de chevaux. Oui, rue de Flandre. Est-ce qu'il n'y a pas un anneau dans la cour encore, des chevaux qu'on y attachait? Elle n'y est plus, parce que... Elle est détruite. La maison a été démolie, mais sur ça, il y avait un anneau. Il y avait un anneau, pour attacher les chevaux, justement, oui. Et vous-même, enfant, vous avez connu le tailleur. Ah oui, le tailleur qui était au bout du magasin, sur le comptoir, assis, là, je me souviens, assis en tailleur, tout à fait, au bout. Ah oui, ça, c'était... C'est un souvenir d'enfance, tout à fait. Oui. Et vous vivez toujours au-dessus du magasin? Oui, c'est ça, oui. Et ça ne change pas beaucoup, finalement, d'être dans un appartement neuf par rapport à ce que vous aviez avant? Si, ça change quand même, oui, forcément. Mais enfin, remarquez, on serait resté dans l'ancien, on était quand même pas mal logé. On aurait pu faire des transformations qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on se disait toujours, on va être démoli, puis ça n'arrivait pas. Alors... Il était attaché au quartier parce qu'il y est né. Il est né sans sein, Côte-Flandre. Oui, je suis même pas né à la clinique. Il n'est même pas né dans une clinique. Est-ce que vous ne craignez pas que les quartiers rénovés, mais vidés de leur vie, ne deviennent pas des quartiers? Ça va être ennuyeux, mais ça va être ennuyeux. Alors, pour animer ces quartiers dont on a enlevé la sève, il y a des troupes de jeunes qui veulent animer la rue en faisant des spectacles théâtraux dans la rue. Ils sont pleins de bonne volonté, mais je crois que c'est tapé à côté dans le temps. Enfin, c'est rigolo. On fait mourir un quartier et puis on lui fait une transfusion de jeunesse. Cette tentative, c'est vraiment désespéré. Maintenant, on demande que les gens se rassemblent tout autour respectueusement d'un garçon de très bonne famille qui crache le feu. C'est drôle. Il a bien du mérite. C'est rigolo. Il n'y a pas que ceux qui l'ont vécu pour regretter le Paris qui devait être toujours Paris. Monsieur, dans cette maison qu'on est en train de démolir, vous viviez il n'y a pas longtemps? Oui, il y a 10 jours à peu près. Vous revenez souvent la voir depuis 10 jours? Non, j'aime mieux pas. Ça vous fait mal au cœur? Ben, un peu quand même. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? Il y avait une petite cour intérieure avec des arbres, il y avait des ateliers d'artistes, Enfin, c'était une très belle maison. Elle date du milieu du 19e à peu près. C'était au début un relais postier. Et ensuite, ça a été habité... Enfin, il y a des artistes qui ont travaillé et habité, notamment Fernand Léger, je pense Rodin. Parce que c'était un des rares ateliers dans Paris où l'on pouvait sortir de très grosses pièces. Et vous êtes où maintenant? Je suis dans le 9e.
Dans un appartement ancien ou dans un bâtiment moderne? Un immeuble moderne. Vous aimez? Non, mais je compte pas y rester d'ailleurs. Je cherche autre chose. Dans le même style. Quelle importance vous donnez à cette manière de vivre là? Celle que les anciens. Enfin, c'est indispensable de conserver dans Paris des endroits comme ça. Et d'autant plus qu'on fait rien qui y ressemble. Et c'est désastreux. Est-ce que ce qu'on fait actuellement est à l'échelle humaine? Je ne pense pas, vraiment pas. À l'échelle des voitures et de l'argent. Enfin, je ne veux pas être grossier. Mais... Quelques vieux monuments, quelques vieilles maisons, quelques vieilles rues, bizarrement isolées dans un environnement étranger, désespérément neuf, restent désormais debout. Il ne se passe pas de semaine que ne soient démolis quelques vestiges épargnés qui gênent un alignement ou encombrent l'emplacement d'une percée future. Il n'y a plus grand-chose à protéger, mais peut-être doit-on croire pour se rassurer que la vie sera quand même la plus forte. Ça me fait penser à la gare d'Austerlitz. Vous allez voir, à la gare d'Austerlitz, à l'arrivée des trains le matin, tous les oiseaux, les piafs qui sont installés dans la toiture, connaissent les horaires des trains et plongent d'un seul coup sur les pare-brises comment ça s'appelle, par les locomotives maintenant, les machines électriques qui attiraient les trains. Bon, bien ça, les motrices. Hein. Ils plongent sur les motrices et ils viennent ramasser les papillons, les moustiques et toutes les choses succulentes que la vitesse a accumulées pendant le voyage. Donc voilà, si les bêtes arrivent à s'adapter, puisqu'il n'y a plus de crottins, il y a quand même l'arrivée du train de 8h47, eh bien les gosses, enfin les gens vont arriver à s'adapter et à attendrir le béton, c'est sûr. En attendant, les Parisiens ressentent tous plus ou moins un sentiment de malaise qui s'est installé en eux insensiblement. Pourquoi ? Jusqu'en 1850, Paris s'était développé harmonieusement et puis, à cette date, les démolitions systématiques du Second Empire ont ouvert la voie à l'anéantissement total du vieux Paris qui se bat en s'accélérant depuis 1950. À Ménilmontant, messieurs Pipard et Legris le confirment une fois de plus. Je suis né dans une clinique, parce que ma mère avait les moyens de me faire naître dans une clinique. Mais, alors, Ménilmontant, les Pipards, ils sont depuis 1840. Oui, c'est une date. Bon, pour raconter l'histoire, ma grand-mère, par exemple, qui était, paraît-il, une femme très peu sociable. Tiens. Oui, très peu sociable. Déjà dans la famille. Hein. Pendant la commune, étant rue du Ménilmontant, voit un communard fuyant les Versaillais, étant dans la rue, soulève sa crinoline et cache le communard. Je dis, bravo ma grand-mère. Tout le monde se connaissait? Ah, tout le monde se connaissait. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas ces horreurs promises par les prometteurs. Monsieur Legris, vous êtes de cet avis? Tout à fait, oui. Vous êtes vous-même de Ménilmontant? Non, c'est pas de Ménilmontant. Je suis même venu du quartier, disons, de Paris, quartier du Marais. Alors j'ai débuté à Ménilmontant il y a environ une quinzaine d'années, oui. Vous avez donc choisi Ménilmontant pour... Ah non, à l'époque je n'ai pas choisi Ménilmontant, j'y suis venu par hasard. C'est-à-dire j'avais quitté mon emploi et j'ai trouvé une petite annonce qui me demandait de venir à Ménilmontant, enfin qui me proposait du travail à Ménilmontant. J'ai travaillé donc chez un employeur à Ménilmontant et j'ai travaillé 8 ans.
Et lorsque je me suis mis à mon compte, j'ai tenu à rester à Ménilmontant pour la mentalité des gens de Ménilmontant de l'époque. Enfin, il y en a encore, mais moins. Quoi. Quelle mentalité ont-ils, les gens de Ménilmontant? Ils ont la mentalité villageoise, ils ont une mentalité tout à fait différente du centre de Paris. Ils ne sont pas des Parisiens. Quoi. Ah bon? Les Ménilmouchards ne sont pas des Parisiens. Alors, ils vont à Paris, quelquefois? Ils descendent à Paris, oui, oui. Vous êtes d'accord, monsieur Pipard? Absolument. Dans ma jeunesse, dans ma naissance, les marchandes de quatre saisons qui descendaient chercher leurs marchandises aux Halles disaient « On va dans Paris, on descend la chaussée et on va dans Paris. » Il y a beaucoup d'expulsions. Ah oui, bien sûr. Et alors les reloges en banlieue ou en grande banlieue? Quand ils sont relogés. Oh si, en règle générale, ils sont relogés, si. Mais enfin, on leur donne des loyers qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils avaient ici, les loyers qu'ils avaient ici. Et vous pensez que vous allez pouvoir rester dans le Ménilmontant que vous avez connu combien de temps encore? J'espère, le plus longtemps possible. Moi, jusqu'à ma mort. Puisque j'en ai... J'ai une dame, je vais vous citer un cas, j'ai une dame qui est de Ménilmontant, qui est née à Ménilmontant, qui doit avoir 80... Oh, pas loin de 90 ans. Et elle est dans le 13e... On l'a relogée dans le 13e arrondissement. Eh bien, elle voyage gratuitement. Elle vient faire ses courses deux fois par semaine à Ménilmontant parce qu'elle connaît les commerçants. Oui. Et elle ne veut pas acheter dans le 13e arrondissement, elle vient ici. Et quand on a commencé à détruire, j'ai vu des petits vieux mourir de chagrin. C'est très grave. J'ai vu le propriétaire du Bolodrome, qui a été... Il avait de quoi vivre. Il s'était débrouillé pour avoir un appartement en face en Bolodrome. Il est mort d'un cancer de chagrin. D'un cancer de chagrin. Voilà. Un cancer, ne serait-ce pas le mal dont souffre Paris? Cette multiplication désordonnée de cellules anormales qui lui confère une structure anarchique où aucune régularité de disposition ni de rapport n'existe plus, qui pénètre par de multiples effractions dans les zones avoisinantes qui l'envahit, qui ne dévoile trop souvent son ampleur que quand il est trop tard pour la juguler. Les amoureux de Paris verront-ils disparaître complètement ce qui a fait son charme et sa réputation? Des tours de Notre-Dame à la tour Montparnasse, l'ascension est vertigineuse. Pour ne pas tomber de trop haut, en pastichant une ancienne chanson, on ne peut que répéter « Paris, prends garde ».